Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, deuxième vidéo pour un drone. Je pense que ce sera le dernier pour l'instant. Je remercie beaucoup Nomad Urbain. C'est grâce à lui que j'ai eu ces deux drones. Donc, je vous mettrai dans la description sa chaîne YouTube et son site web. Allez checker ces deux chaînes et abonnez-vous. Je pense que ça lui fera plaisir. À moi, ça fera plaisir si vous abonnez. Aujourd'hui, on vient avec le Paro Bebop 2. FPV, c'est un drone qui m'a vraiment surpris. Vous le retrouverez dans ce carton, un carton tout simple. Dedans, il y aura deux cartons, un pour le drone et un pour les accessoires, le casque et la manette. Je vous ai mis les deux prix que j'ai trouvé les moins chers. 549 € chez Darty, ce pack complet, ou alors 530,20 € chez Amazon. Là, nous retrouvons le drone avec des dimensions de 32,8 cm, 8,9 cm et 38,2 cm. Pour un poids de 500 grammes. Alors vraiment ultra léger le drone. Les matériaux pour le drone, c'est du PA12 renforcé en fibre de verre. Je vous ai mis quelques tests que j'ai fait. J'ai pas pu en faire beaucoup, mais je vous ai mis quelques tests. De toute façon, il y aura une autre vidéo après par la suite où je ferai plus de vidéos de meilleure qualité. Là, je vous ai fait quelques tests. Je voulais essayer le drone pour voir ce que ça donnait en vol. Donc voilà les tests que j'ai pu faire en vidéo. Et franchement, j'ai été très surpris par sa réactivité et par son système de vol. Ici, on retrouve la batterie de 2700 mAh. Durée de vol, environ 25 minutes. Aujourd'hui, je l'ai utilisé toute la journée jusqu'à épuisement et il a bien fait 24 minutes. Donc, on est à peu près bien dans le timing qui a été prévu. Là, on retrouve le chargeur pour la batterie. Avec le petit bitonio pour les hélices, que vous aurez besoin pour les hélices, et tous les chargeurs, donc chargeurs français, chinois, il y a 4 chargeurs, 4 prises différentes. Donc là, on retrouve le manuel pour le paro. Manuel que vous avez en toutes les langues. Ici, on retrouve le chargeur. Vous aurez juste la prise à mettre au bout. C'est vrai que c'est pratique. Et vous retrouvez 8 hélices renforcées dans le pack. Donc comme ça, vous avez déjà un jeu d'avance. Moi, je pense que la qualité de Sparrow, elle est vraiment super. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux vidéos que j'ai fait. Là, on retrouve le deuxième pack. Dans le deuxième pack, on retrouve les lunettes FPV qui font 390 grammes, compatible avec de nombreux smartphones entre 4,7 pouces et 5,7 pouces. Ici, on retrouve la radio commande, je vais y arriver, désolé, Paro Kai Control 2 avec une portée de 2 km avec une batterie intégrée de 2700 mAh d'une autonomie de 240 minutes à peu près. Dessus, vous avez les joysticks pour le faire avancer, vous verrez. Le bouton Return to Home, le bouton pour l'allumer. Il y a vraiment une tonne de boutons qui vous serviront pour le paro. Vous retrouverez aussi dans la boîte le chargeur pour la radio télécommande et aussi le câble USB pour brancher votre portable sur la télécommande. Il pourra se contrôler à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application FreeFlight Pro. Il est vraiment suréquipé avec des capteurs de partout. Il est équipé d'un système d'arrêt des hélices en cas de choc, le retour to home, retour à la maison. Le Wi-Fi optimisé de 7 capteurs, la caméra verticale
caméra ultrason, baromètre, accéléromètre, gyroscope, vraiment le top du top sur ce petit paraute. Altitude de vol maxi 2 km, résistance au vent 60 km/h maxi. Vous pouvez vous en servir soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Il est garanti 12 mois, 60 km/h grâce à sa motorisation puissante. C'est vrai qu'il file. Franchement, c'est la première fois que j'essaye un Parrot et là j'en suis vraiment très très séduit. Moi je voulais m'en prendre un pour faire quelques plans quand je fais des vidéos de véhicules et peut-être des vidéos extérieures, je sais pas, il faudra que je regarde exactement. Mais je vous ferai une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu, ça me fera plaisir parce que c'est la première fois que j'essaye des drones. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir d'autres véhicules qui vont arriver, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, et pas de problème. Partagez la vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis, de toute façon, il y aura une autre vidéo où je ferai un peu plus de plans différents avec les drones. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée ou bonne journée quand vous regardez la vidéo. À bientôt!